Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5. Oh yeah! 45 minutes de gameplay, oui je vais faire un petit peu moins je pense, ou alors peut-être une heure, parce que de toute façon j'arrive jamais à m'arrêter. Enfin on verra, on venait juste de prendre Éléphantine. D'ailleurs il y a de l'aluminium à Éléphantine, il y a 8 d'aluminium, putain mais est-ce que j'avais capté ou pas? En plus non, il y a plus que 8 d'aluminium, il y a 11 aluminium. Attends, c'est abusé, j'ai découvert l'aluminium alors que je suis encore au frégate. Ah, je sais pas. Oui, je suis peut-être un petit peu en retard au niveau des unités navales. De même qu'au niveau des unités terrestres, hein, parce que quand on regarde mon armée, hein, c'est pas folichon. On a du chevalier, on a du lancier, du canon. Ah, on a une Gatling, c'est quand même pas mal. Il faut que je remplace mes. Ah bah si, c'est bon, j'ai mes fusiliers, parfait. Et la portugaise s'est emparée d'Alexandrie. Donc, prochain objectif. Capturer Memphis, Thèbes et puis Héliopolis. Je sais pas si je les annexerai. J'en ferai sûrement des villes fantoches. Alors, ce qui concerne mon empire, Chicanidza, on a quelque chose à construire à Chicanidza. On peut placer un amphithéâtre, un moulin à vent. Allez, un moulin à vent. Ah, attendez, qu'est-ce que je peux. Porte de Brandebourg. Attends, mais il l'a pas construite déjà, l'allemand? Ou je sais plus qui, la porte de Brandebourg? Je sens qu'elle a déjà été faite. Un général illustre apparaît près de la ville où la merveille a été construite et toutes les unités formées dans la ville reçoivent plus 15 d'XP. Ça peut valoir le coup, de toute façon j'aurais rien d'autre d'intéressant à construire pour le moment. Bon sinon ça se passe bien, je suis dans le bonheur, j'ai toutes mes routes commerciales, je gagne quasiment 100 d'or. Donc maintenant le but là, je vais faire que des comptoirs commerciaux pour essayer de me faire la masse de blé. Tout simplement. Ah oui, attendez, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah oui, attendez, on va essayer de faire la paix. Ah oui, voilà, bah ça a marché, génial. Ah super! Oui, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, tu sais, t'as juste à cliquer et sur Riga et faire la paix. Effectivement, ça marche. Donc, elle ne viendra plus me faire chier avec mes ouvriers. Parfait. En fait, j'ai pas pensé à faire la paix avec elle parce que je voulais m'en emparer, tout simplement. Hein. Mais bon, ils sont quand même trop puissants. Hein. Regardez, 66 de défense. C'est violent. C'est violent. Là, ok, bah tout est parfait. Ah, je peux vous améliorer, bah parfait. Ah oui! De la cavalerie. C'est bien ça. Ça fait 34 de dégâts. J'aime. Hop, état d'alerte. Est-ce que je peux. Oh oui, je vais aller les défoncer. Bam! Voilà. Ça c'est fait. Ah, oh, vous avez. Aucune portée, c'est hallucinant quoi. Vous, est-ce que vous avez. Ah, c'est con, une case près. Ah, bah justement, une case près. Bam! Parfait. Est-ce qu'on a assez de nourriture ici? On a 7 de nourriture. Bah, vas-y, je pars sur des comptoirs maintenant. Allez. Tour suivant. Premier tour de cette vidéo, nous sommes en 1902, chers amis, le 322e tour. Plus précisément, 9 de nourriture. Comptoir commerciaux. Comptoir commercial, pardon. Je n'en fais qu'un. Tour suivant. Ah, c'est pas mal. Ah, je recherche l'engrais dans 6 tours. Ah oui, ça mène à la dynamite et à l'artillerie. C'est ce qu'il me faut pour assiéger les villes. Très bien, alors vous. Vous construisiez des routes, hein, on est d'accord. Comptoir commercial. Tac. Merde, eux ils sont reculés. Et ils ont été soignés, donc on va piller. Et c'est génial, mais ça ne nous donne pas grand-chose. Là, je peux me permettre de les bombarder. Ouais, ça fait du dégât, puis je gagne de l'XP tranquillement. On va se mettre là. On va voir ce que ça fait la Gatling, hein, parce que 30 attaques à distance, ça fait du bobo. Hein.
Ouais, ça fait beaucoup de dégâts, surtout si je mets le général illustre à côté. Sitting Bull. C'était pas un chef indien, ça, non? Ou quelque chose comme ça. Ça se trouve, je dis de la merde, mais... De toute façon, vous allez me le dire dans les commentaires, j'en suis certain. À partir de là. Zou. Ah oui, alors putain, il y a... Alors j'ai oublié ton pseudo. Mais tu m'as dit que je savais pas parler parce que je prononçais zou. Parce que j'aime bien dire zou. Parce qu'en anglais ça se dit zou. Enfin, ça, je le fais mal, mais ça se dit zou. Donc moi j'aime bien dire zou. Et après tu m'as dit, mais non, non, tu as dit plusieurs fois en anglais, d'accord, mais en français tu sais pas le prononcer. T'as dit zo. Non, mais je sais prononcer zo-o. Tu te doutes bien que j'exagère la plupart des mots que je trouve, enfin où il y a des doubles lettres comme ça, ou des mots qui sont pas français tout simplement. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, tu m'as fait rire, parce que c'était là, t'étais persuadé que je savais pas prononcer Zoho, quoi. Enfin bref. C'est pas très grave. On va faire une université. Petite université. Et à New York, qu'est-ce qu'on pourrait faire à New York? Une école militaire. Une bourse. On va booster un petit peu tout ça. Une bourse. Sitting Bull, tu vas te coucher. Pim, pim, pim. Ok, t'as un attente d'ordre. On est bon pour le tour suivant. Oh, et puis je vais débloquer une doctrine, donc un principe. Oh, est-ce que je peux lui niquer sa route commerciale? Est-ce qu'il y a moyen? Ah bah voilà, porte de Brandebourg, donc je suis niqué. Ah mais je peux la faire quand même. Étonnant. Ah non, je peux pas la faire. Autant pour moi. Et je viens de passer dans le malheur. Je ne peux toucher personne. C'est fantastique. Ah oui, Chichén Itzá, c'est vrai, elle était en manque de nourriture. Attends, pourquoi je peux pas gérer les citoyens là? Ah oui. Ouais. Ah, il faut que je fasse de la bouffe. J'ai pas le choix. Très bien. Alors, je comprends pas pourquoi je suis passé dans le malheur. Donc. Oh purée, j'ai même pas réussi à gagner. Alors un colisée, oui, je demande un colisée. Et je vais acheter un ouvrier tout de suite. Pour 310, voilà. Pour 310 dollars, je vais me reconstruire un petit peu tout ça. Parce que là, évidemment, la ville stagne et ne croît plus du fait du manque de nourriture. Donc je me suis fait niquer la marée, oui, c'est bien ce qui me semblait. Je pourrais peut-être construire, enfin, produire un archéologue. Un petit archéologue pour 3 tours. Allez, tour suivant. Ah bah tiens, il y a une... J'ai pas fait de bateau atelier ici, ni ici. Ah bah tiens, bah, un bateau atelier. Ça pourrait le faire, ça. Je produis un bateau atelier, je pense, du côté de New York. Pocatello a déclaré la guerre. Ok, donc il se refight. Bon, la portugaise, elle lui a déjà annexé 3 villes. Je pense qu'elle va continuer. Ah, le Pocatello, il est dans la merde. Portugaise, faut faire gaffe, hein. Les villes qui attirent le plus de tourisme. Ah putain, je suis troisième. La portugaise, elle est pas mauvaise. Non, eux ils veulent pas crever. Hein. Là, comment ça se passe? Ok, on va se faire un comptoir. Ah, Chicago! Chicago, bah. Oh, il faudrait peut-être un bateau atelier, ça prendra 3 tours.
Faire un petit bateau atelier pour aménager cette case. Poisson. Ok, comptoir commercial. Là, comment ça se passe niveau nourriture? On n'est pas trop mal. Comptoir commercial. Bim. À Palenque. Ah, je peux déjà faire une centrale hydroélectrique. C'est-à-dire que j'ai de l'aluminium. J'ai 3 d'aluminium, d'accord. Proche d'une rivière, ouais, bah ça peut le faire, ça. Ou une école publique. Pourquoi pas booster la science, toujours? Ah, on va plutôt faire une école publique. Et je peux adopter une doctrine ou un principe si je le désire. Les bâtiments scientifiques vous fourniront plus d'or. Apparition de scientifique plus 25% plus rapide. Ou je peux choisir un principe. Donc, un principe. Bonheur local plus 2 pour les monuments historiques. Construction des monuments historiques 2 fois plus rapide. Le coût en or des bâtiments diminue de 30 pour 33%. Double les chances de vos espions. Capture, quittant de voler, d'accord. Bonheur local pour chaque atelier, usine, centrale solaire, nucléaire, hydroélectrique. Bonheur local pour toutes les merveilles nationales. Ouais. Je préfère plutôt prendre une doctrine à ce niveau-là. On va partir sur l'humanisme et ensuite on prendra la liberté de penser. Je gagne, ouais, je gagne pas mal de culture donc là-dessus. Y'a pas de soucis à se faire. Tour suivant. Alors, promotion d'unités contre les unités terrestres, contre les unités navales, ouais. Ça a l'air de bien marcher le bombardement, donc bon, je vais continuer. Parfait. On va construire une route. Continuer par là. Vous. Ouh là là. Niveau nourriture, ça commence à être un petit peu short. On va produire une ferme. On va construire une ferme. Je vais essayer d'aller réparer l'aluminium. Histoire d'en avoir à foison. C'est combien de défense là-bas? 46. Oh, il y a moyen de rentrer comme dans du beurre. Ou alors j'attends l'artillerie peut-être. Pour que ce soit plus simple. J'attends l'artillerie pour pouvoir améliorer mes canons. On peut peut-être essayer, ouais. Ah, on va attendre voir ce qui se passe. Un aqueduc. Oui, l'aqueduc c'est important. Surtout quand une ville se développe. Toi, tu vas rester comme ça. Et pour l'instant, je vais passer le tour. L'archéologue est terminé dans un tour. Je vais débloquer la bourse à Boston. J'arrive pas à décrocher le 100 d'or par tour. Hein. C'est chaud. Qu'est-ce que tu veux? Oui, vas-y, j'accepte. Donne-moi du fric. Vous le paierez un jour ou l'autre. Il m'aime pas, Pocatello. Il ne m'aime pas. En même temps, je suis allié avec son pire ennemi, donc ça n'arrange pas les choses. Je pense qu'il peut me choper. Je crois qu'il peut me choper avec sa ville. Ouais, j'ai l'impression. Ah, mais je lui bloque. Du coup, c'est cool. Je lui bloque sa liaison commerciale avec les villes de son empire. Alors, il n'y avait pas une. On va aller ici, sur un site archéologique. Donc à Washington, bah écoutez, autant faire un château, un dépôt d'armes, quelque chose. Peut-être un musée. On va faire un musée. Boston, qui stagne, j'ai l'impression. Stagnation. Je pense que c'est les spécialistes qui bouffent énormément.
Les spécialistes ont tendance à bouffer énormément, énormément, énormément. Je vais faire une école militaire ici. Choisir une production. Le petit bateau atelier, pardon, est terminé. Parfait. Donc là, ça va produire une énorme quantité de bouffe. Attendez, attendez, choisir une construction à Chicago, j'ai pas fini. Un phare. Et en ce qui concerne les phares. Non, restez là. Ireis considerar esta oferta? Attends, j'ai combien de perles? J'en ai assez au moins. Ouais, j'en ai assez normalement. Ouais, donc il peut me toucher, hein. Ouais, donc c'est la violence. Je vais prendre très cher. Faudrait que j'ai au moins 4 navires pour pouvoir. Ah, bah attendez, c'est peut-être ça la solution. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde fait la paix. Ok, tout le monde fait la paix. Ils s'échangent tous des. Touches. J'échange touches. Ils s'échangent. Ouh, c'est dur à dire. Ils s'échangent La nation tous qui des détruit ses cités-états. sols se détruit elle-même. Ok, donc j'ai découvert l'engrais. Et je. Ouh, sinon le cuirassé à vapeur. La dynamite. Ouais, je vais plutôt faire la dynamite. Allez, on répare ça. Du coup, j'ai 11 d'aluminium. Je vais pouvoir trader. On va reculer. Attends, ça veut dire que je peux le. Ouais, mais on va reculer quand même. On va le soigner. Et une petite ville. Une. Ouh là là, c'est pas folichon ici, hein. Allez, crée-moi un comptoir commercial. Bon. Pff, écoutez, je sais même pas pourquoi je me fais chier. Je vais acheter un bateau atelier ici. Il va aller là-bas. Attends, lui, c'est un Zoulou, non? Ouais, c'est un Zoulou. Ireis considerar esta oferta? On accepte le libre passage. Donc 9 tours pour débloquer la dynamite. C'est raisonnable. Les Pays-Bas et l'Autriche sont amis. J'ai peur de ce qu'il fait là. Ils trimballent leurs troupes, les Hollandais, ça me fait flipper là. Ok. Vous allez continuer de réparer tout ça. Ah, il ressort des mecs lui. Il a envie de. Alors certes c'est pas puissant, mais bon, c'est déjà ça. Et au moins je me fais de l'expérience. Vous, vous allez là. Le petit bateau atelier qui va. Oh putain. T'as l'autre qui est devant quoi. Non, t'es sérieux là? Le gros casse-couille. Allez, on fait une petite fouille. On a débloqué les vaches. Pâturage, bim. Putain. Et ça m'énerve. Hein. Ce con qui se gare là. Ok. L'autre qui me dénonce. Oh, 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 il va prendre cher. Il va prendre cher le monsieur. Je vais l'éclater. Donc la dénonciation a expiré, visiblement. Allez dire bonjour au diable. Putain, ça fait que dalle en fait, hein. Bien. Deux d'XP, non, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. 28 d'XP. Ah oui, ça fait que dalle, ah ouais, putain. Ah, ce serait peut-être bien les
Les nouveaux bateaux de l'ère industrielle, là. On va faire un petit phare. Oh, là aussi, pareil, j'ai de la bouffe. Il me faut de la bouffe. Trop de bouffe. Donc, lui, il s'est barré, c'est bon, on peut y aller. Je vais racheter un bateau atelier. Et la dernière route, et c'est bon. C'est bon en ce qui concerne. Ah oui, c'est de bouffe, effectivement. Maintenant, je peux faire. Soit là, je vais faire. Ouais. Atlanta, qu'est-ce qu'on peut faire? Un aqueduc. Très important, l'aqueduc. Et je vais pouvoir faire un bateau atelier aussi. Et après, on fera que des comptoirs commerciaux. Tour suivant, on y va. On se dépêche. L'Égypte a dénoncé le Portugal. LOL. Je suis dans le bonheur. Nous sommes en 1911. Éléphantine réclame de l'or. Je n'ai pas d'or à te proposer, ma chère. Petit bateau atelier qui va aller là. Et bim! Toi, tu vas nous faire un comptoir commercial, du coup. C'est vrai que Milan était très très proche. Allez. Voilà, comme ça, j'exploite tout. Et c'est nickel. Un hôtel, non, c'est de la merde. Fais-moi une bourse. À New York, tu as fini justement la bourse, j'ai l'impression. On va faire des écoles militaires. Parce que quand je serai en guerre, là, je vais pouvoir produire des unités à foison. Elles seront en plus entraînées. Avantage certain. Un jardin. Un zoo. Un zoo. Un petit zoo. Un zoo, 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 zoo. Ou un moulin à vent. Ou une banque. On va faire le moulin à vent parce que ça augmentera la production pour les futurs bâtiments. Un musée, non. En revanche, une usine, oui. Ça peut le faire, ou un aqueduc. Bon, on va faire d'abord l'aqueduc, parce que c'est vrai que je le fais pas. L'aqueduc, là, pareil, j'aurais dû le faire. Université, peut-être. Ou un marché, du moins. Ou un atelier. On va faire l'université, pour essayer d'avoir de la science le plus vite possible. Alors, faire la paix, non. Ah, attends, traité de paix. Continuer ce conflit est absurde. Faisons la paix. Alors lui, il me demande traité de paix. Faire la paix avec Anvers, Kuala Lumpur. Et lui, m'offre Memphis. Ok. J'ai rien pillé du tout. Du coup, est-ce que je l'annexe ou pas? Ou j'en fais une ville fantoche? Je vais en faire une ville fantoche, pour l'instant. Pardon. Ok, j'en ai fait une ville fantoche, donc du coup j'ai fait la paix avec lui. En revanche, du coup il est retranché, ce cher monsieur. Et je peux faire avancer mes troupes. Du coup je gagne du cuivre. J'ai gagné du cuivre. Ça c'est très 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 bien. C'est bien pour les affaires ça. Hop, on répare. Donc je n'ai plus à m'en occuper hein, pour l'instant. Bien. Parfait. Ici tu vas... Comptoir commerciaux encore. Ah, alors, dans une nouvelle... L'ère moderne. Bismarck est dans l'ère moderne. Attends, what the fuck? Bismarck est dans l'ère moderne.
Ah ouais, faudrait que je fasse la radio. Comme ça, j'entre dans l'ère moderne. Le salaud. Il va vite. Il va vite, le bougre. C'est de lui qu'il faut se méfier. Un dépôt d'armes, ouais. Ah, du coup, j'ai relancé le développement à SS de bouffe, tu m'étonnes. C'est pas mal. On va favoriser la science un peu. Favorisons la science. L'accord de recherche qui voulait avec Marimba pour étudier une avancée technologique. Donc du coup ça m'a donné un gros bonus de science, c'est parfait. Ici, bam, on revient. Voilà, donc parfait. Les deux villes sont reliées au réseau routier. Eh hey, bah attendez, y a des routes là. Va falloir que je le relie à ce réseau-là. Et ce sera parfait. Je vous l'ai dit, il manque une ville là. Une petite ville en plein milieu. En plus, je pense que je vais faire une ville ici. Et en plus, ça me fera un autre pôle de production pour produire des unités militaires. Tour suivant. Je ne vois que dit. Salut les Shoshone pour moi. Vous le paierez un jour ou l'autre. Vous le paierez un jour ou l'autre, ma très chère. Ok, ben bah, dénonce-moi, mec. Dénonce-moi, dénonce-moi. J'aime bien quand tu m'énerves. Fais ta vie, dénonce-moi. Il va falloir que je remplace tout ça par des rails. Ça va être labor. Je découvre la dynamite. Waouh! Dès que les hommes décrètent que tous les moyens sont bons pour lutter contre le mal, leur notion du bien se confond avec le mal qu'ils cherchent à détruire. Alors, l'accord que nous devons fournir les perles a pris fin. L'accord stipulant que chaque Azulu devait nous fournir des chevaux a pris fin. L'accord que chaque Azulu nous autorisait a pris fin. L'accord stipulant que nous devions fournir des épices a pris fin. L'accord stipulant que nous devons fournir du fer a. Hein. Ok. Donc je suis dans le malheur. Faudrait peut-être qu'on retourne voir chez lui si. Échanger. Et si je t'échange des épices contre des perles? C'est tout bonnement. Quoi? Ok, bah va te faire voir. Hein. Alors attendez, promulguer embargo Égypte, idéologie mondiale, autocratie. Contre. Attendez, je suis en quoi moi? Je suis l'ordre? Je suis pas le. Ouais. Engagé, délégué. Ensuite. Biologie. Même si l'autre est dans l'ère moderne, c'est pas très grave, j'ai quand même un minimum de temps. Alors, oulala, oulala, oulala. Route précédente, ah ouais, c'est tellement le bonheur ça. Bam! Ça fait plaisir. Très bien. Je crois qu'ici j'ai assez de nourriture. Tu vas pouvoir me faire des comptoirs commerciaux. À Palenque, qu'est-ce qu'on fait à Palenque? Un moulin à vent. Et à Boston, eh bien, un château. Et ici, un comptoir. Ok, donc tout le monde avance là. Ça va, de toute façon l'Égyptien est en retard, moi j'ai découvert l'artillerie, ça veut dire que. Ah oui, bah, je verrai ça au prochain tour, mais. Ça veut dire que je vais pouvoir l'éclater, quoi. Moi je veux ça, moi. Non mais va te faire voir! Le type, il est gourmand, quoi. Il est en inférieur. Enfin, il est. Il est en situation. Quoi? Oh non, pourquoi t'as déclaré la guerre aux Hollandais du.
Con. C'est pas bon pour moi, ça. Pourquoi t'as fait ça? Alors, rejeté, rejeté, très bien. J'ai eu peur. Parce que l'autre, là, il serait bien capable de nous faire passer l'autocratie. Hein. Donc, artillerie. Combat à distance 28. Un aqueduc, avant toute chose. Je produis que 0,25 de bouffe. Non, vraiment? Bon, bah, fais-moi une ferme. Pourquoi? J'ai construit une scierie ici. Ah oui, c'est possible. Ok, très bien. Alors, j'ai plus de cases. Et je suis en stagnation. Eh bien, un bateau atelier fera l'affaire. Bien. Ok. Alors vous, vous êtes niqué parce que je sais pas ce que vous allez faire. Ah, vous allez peut-être me faire des routes entre les deux. Quarante. Et j'ai de l'artillerie, parfait. 140 et l'artillerie. Choisir une construction. Donc Washington, une école militaire. Production plus 8. À Chicago, il me faut un atelier. Et on fera l'usine sidérurgique comme ça. Donc Atlanta. Atlanta. Une écurie peut-être? Non, un port. Un port. Là, il nous faut un port. Je vais acheter, je pense, un atelier ou je sais plus quoi là. Je ne vois. Oui, bah écoute, très bien, fais ce que tu veux. C'est pour moi un problème là. Votre délégation a joué un rôle important dans l'échec de notre projet. Je l'oublierai pas de sitôt. Oui, mais c'était pour, hein, c'était fait exprès. C'était vraiment le but en fait. Te faire chier. Te faire chier, mon pote. Un musicien illustre est né à Washington. J'ai mon artillerie, bam. Alors attendez, ils sont en attente d'ordre. Donc vous, vous êtes niqué. Est-ce que je peux pas acheter des cases éventuellement? Yes, je peux créer un shader. Yes, danse hongroise, parfait. Ça, c'est bien. N'empêche, j'ai 10, 10 chefs-d'œuvre hein, à la maison. C'est pas dégueulasse. Lui, il a toujours pas fini là. Tour suivant. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal Il est inboezemen. intéressé par des perles. Non, c'est de la merde. Non, c'est ce que tu m'offres, c'est nul. Putain, lui aussi rentre dans l'ère moderne. Oh les gars, quoi. Ah oui, et au niveau des espions, est-ce que comment on s'en sort, ouais?
Route commerciale. On va continuer avec Colombo, il n'y a pas de raison. À Boston, parfait. Un arsenal. Oui. Pourquoi pas un arsenal? Pour augmenter un petit peu la puissance de la ville. Avant qu'il ne soit trop tard. Ici. Un comptoir. Et tout le monde réclame de la pierre précieuse. Ça, il faudrait que je chope une des... Ben, Riga, en fait, ça aurait été parfait. Mais pour l'instant, j'ai pas la puissance. On la bombera peut-être. Quand j'aurai l'arme nucléaire sous la main. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Stagnation encore? Ouais, c'est mieux comme ça. Là, c'est mieux. Tour suivant. Ah ah. Alors. Ville réduite en cendres. Conquérant Amérique, fondateur Égypte, Moyen-Âge. Alors, on peut créer un artefact américain. L'artefact rejoindra l'emplacement pour chef-d'œuvre artistique vide le plus proche. L'artefact génère plus de culture, plus de tourisme. L'artefact rejoindra l'emplacement pour chef-d'œuvre artistique vide le plus proche. L'artefact génère. Je comprends pas le. D'accord. Aménager un monument. Lorsqu'il est exploité, un monument génère de la culture et en fonction de son âge. Culture plus 1 pour chaque ère antérieure à l'ère actuelle de cette civilisation. Non. On va créer un chef-d'œuvre. Parfait. Il va falloir que je recrée un. Des archéologues. Mais en termes de tourisme, on n'est pas mauvais. Mais je comprends pas, les types sont encore meilleurs, quoi. Non. Ça ne représente aucun intérêt pour moi. Non, le mec, il me propose la même chose le tour d'après, quoi. Il a pas compris. Idéologie adoptée. Les Pays-Bas ont adopté l'autocratie. Ça, c'est pas bon, ça. Ça risque de nous jouer des tours. J'ai un peu peur. Non. Bon, ça va pour l'instant. Faire de la prod. Ici. Bah un château. Hein. Je peux faire ça. Château, c'est bien. On va fortifier nos villes. Écoutez. Là, j'enchaîne les tours. J'essaie d'avoir les technologies. D'ailleurs, ça m'offre quoi, ça? Ah, je peux établir une route commerciale supplémentaire. Ça, c'est bien. On continue les échanges commerciaux avec le Hollandais. On va faire l'usine, bien sûr. J'ai assez de charbon. J'ai largement assez de charbon. En plus de ça. Marie Première a fait la tour Eiffel. Marie, je te conchis. Je te conchis. Nous sommes en 1919. Attends, c'est dingue, la première guerre mondiale est terminée, j'ai même pas découvert le pétrole, quoi. C'est con. C'est un petit peu très très con, en fait. Ah oui, j'avais dit un atelier. Attendez, on va l'acheter. Chicago. Et on va faire une usine sidérurgique. Université. Ah. Stagnation.
Putain, j'ai l'impression que... Non. Pourquoi je suis dans le malheur, là? Je comprends pas. C'est étrange. En tout cas, j'ai aucune unité dans mon empire, vraiment à côté de ma capitale. Donc, si jamais je me prends quelque chose, je vais morfler. Ah ah! Un savant illustre. Bien. Parfait. Un port. Et ici, une école publique. Bon, moi, j'ai plus rien à construire dans ce coin. Parfait. Parfait, parfait. Alors, ici, on peut développer. Il faut que je refasse des archéologues, en fait. Non, bah toi, tu vas... Non, tu vas dormir pour l'instant. À la prochaine technologie, je t'appellerai. Mais là, pour l'instant, tu n'es pas utile. Donc, dors, s'il te plaît. Croyance de réforme ajoutée, religion adoptée. L'Égypte a adopté l'islam. Très bien. Gueux de la merde. Le type, il est encore avec ça, quoi. Enfin, quoique, moi, j'ai des frégates, hein. C'est pas forcément... C'est plus récent, mais bon. Si le cerveau était suffisamment simple pour que nous le comprenions, nous serions si simples d'esprit que nous ne le comprendrions pas. Génial. Cette phrase est épique. Ah, je peux découvrir la réfrigération. Pour avoir des sous-marins, pour débloquer les stades, pour débloquer les hôtels. 50% de la culture des merveilles mondiales. Tu vois, les aménagements, monuments, t'as ajouté la production de tourisme à la ville. Ça, c'est bien, ça, il me le faut. Construire une plateforme offshore. Pièce de rechange. Et il faut que je découvre le moteur à vapeur. Donc on va découvrir le moteur à vapeur. Bam. Ça coûte combien ça? 3000? Allez. On va utiliser notre savant illustre. Voilà. Et comme ça, je pourrais directement rentrer dans l'ère moderne. Alors attends, j'ai découvert du pétrole où? Chez moi. Donc j'ai 3 de pétrole. Et j'ai 7 de pétrole. C'est tout. Tu vas me dire que c'est tout. C'est la loose. Putain, c'est la loose. Je n'ai que 7 de pétrole. C'est la merde. Faire des hôpitaux partout maintenant. C'est quoi qui est sur cette case là? Ah non, au pire, on va faire une route. Ouais, on va faire une route. Ok, bon. Tour suivant, on va pas tarder à s'arrêter. Une fois qu'on a terminé l'usine sidérurgique, on s'arrête. Là, je découvre le bateau à vapeur. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot so- Non. Ouais, j'aurais pu très bien pu accepter, mais non. J'ai pas envie. Et je peux faire une nouvelle route commerciale. Ça, c'est bien. Donc un bateau atelier en perspective. Oulala. Là là. Les nations occidentales espèrent que les possibilités de communication offertes par la vapeur feront du monde entier une grande famille. Monsieur Gorbatchev. Abattez ce mur. L'ère moderne. Génial. Ok, alors, on part sur quoi maintenant? Ah putain, c'est exactement la même chose pour tout. Site d'idéologie, égalité, production, plus tard pour tous les spécialistes. Infanterie de la Grande Guerre, base militaire. Oh putain! Elle a bien joué la portugaise pour avoir la tour Eiffel. Ouh, ça c'est pas mal aussi. Ouh, c'est pas mal ça.
On va faire la voie ferrée. C'est vraiment pas mal. Alors l'accord stipulant que nous devons fournir. Très bien. Et j'ai un nouvel espion. Je demande le peuple. On va essayer de l'envoyer chez les Égyptiens. Construction. À Chichen Itza. On va faire des hôpitaux de partout parce que on manque de bouffe. Là par contre j'aimerais bien faire un archéologue. Tour suivant. Allez, on est à 46 minutes. On doit passer 3 tours, ou 4, je sais plus, pour avoir l'usine sidérurgique. Attends, c'est quoi ça? L'ordre, la production augmente 50% lorsque vous créez des unités blindées. Oh! C'est bien ça, le Kremlin. Le Kremlin aux États-Unis. Le Congrès mondial s'agrandit. Tu vas me faire croire qu'on est en stagnation là. Alors, Philadelphie. Philadelphie, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Fais-moi une usine d'abord, Philadelphie. Alors, session à venir, choix de l'organisateur. Bah moi. Hein. Et je mets mes 4 délégués. Ça ne passera pas, je pense, c'est sûr, mais bon. On peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Oh, j'avoue que la voie ferrée, ça va faire du bien là. Ça va me coûter très cher, mais ça va faire du bien. Pour me déplacer quand je serai sûrement en guerre avec la portugaise. Oh non, l'Allemagne toujours organisateur. Ok, y'a que moi qui ai voté pour moi. Super. J'aurais dû voter pour le Portugal, tiens. Ça va prendre. Non. Retirer la route. Ah bah d'accord, c'est relié, donc parfait. Faites-moi des comptoirs, les gars, des comptoirs. Je suis en stagnation ici, c'est pas bon. Voilà, c'est mieux que rien. Allez, tour suivant, on a bientôt fini. Qu'il vous échappe. C'est pas très grave. Bon, faudrait que je chope le pétrole aussi, là. Le petit pétrole. J'espère qu'on aura de l'uranium. En quantité suffisante plus tard pour faire de la bombe. Très bien. Je peux faire une ferme là-bas. On va aller en faire une. Eux, ils se développent aussi, mine de rien. Alors, à Chicago. Tu vas me faire un marché. Frégate milanaise. Oh, les types se rapprochent. Choisir une construction, à Palenque, une banque.
Ah ça va, je commence à produire pas mal d'or là. Bon, je suis loin des 950 de production là. Non, pas de libre passage. Surtout pas à toi. Wow! Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais comment ça se fait que j'ai perdu autant? Je pige pas là. Ah d'accord, moins 3 de bonheur, vos unités sont désormais plus autorisées. D'accord, c'est à cause de ça. Ok, c'est la violence. Donc je suis à Thèbes, parfait. Le mec va pouvoir se mettre à bosser. C'est parti. Hop. À Boston, tu vas me refaire un archéologue. Et c'est bon, on peut s'arrêter là. J'ai débloqué l'usine sidérurgique. Putain, je suis à 62 de prod. C'est la violence. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Université d'Oxford. Je veux ça. Éléphantine. Le petit zou. Voilà, le petit zouzou. Oiseau-o, si vous préférez. Suis toujours en stagnation. Allez, le dernier tour, et puis c'est bon. Comptoir commerce. Mais je comprends pas ce qu'il y a là, mais c'est pas grave. Non, on va passer encore un tour pour avoir la doctrine. Ah bah c'est bon, je l'ai. C'est bon. Bam, on signe et on prend comptoirs commerciaux, 17-15 universités. Je suis à combien? 444. Bim! 513. Ça c'est fait. Ah, je commence à produire comme un gros cochon, là, de la science. C'est bien. Ok, bon, on va s'arrêter là. Sur ce, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. Ciao!